Il y a fort longtemps, dans une contrée lointaine, un guerrier samouraï. Salut YouTube, salut à tous ceux qui vont cette VOD, on est sur Twitch et on s'apprête à découvrir ensemble A Plague Tale Innocence. Donc c'est un jeu d'aventure, j'ai l'impression action-aventure, j'ai pas regardé grand chose sur ce jeu. Il m'avait juste un peu tapé dans l'œil sur sa bande d'annonces en fait de lancement. Et surtout en plus c'est fait par des Français. Donc voilà, un petit jeu français par des gars de qui bossent à Bordeaux en plus, donc pas très loin de chez moi, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, on va aller découvrir ça ensemble, un petit côté un peu médiéval, je sais pas s'il y aura du fantastique, j'en sais rien du tout. Mais voilà, ça m'intéresse bien, donc j'ai envie de dire moins de blabla, plus d'action, et on lance ça en espérant que tout fonctionne bien. Petit chargement. Alors il va y avoir forcément beaucoup de choses avec la peste, les rats, tout ça, hein, parce que ça se passe durant cette période. Allez, nouvelle partie. C'est parti. Ah, on a un mode écoute, pré-réglage. Oh, ça va, l'interface est discrète. Et du coup, on est parti. On a le droit à un petit chargement masqué là. Hein. Je sais pas si c'est. Oui, c'est bon. Très, Mamicia. Ce n'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse. C'est la seule ambition que vous ayez pour moi? Suivre les hommes? Moi, je les battrai à la course et ils mangeront ma poussière. Mais pour ça, il me faudrait un bon cheval. Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade. Mais pourquoi ici? Pour l'arbre. Quel arbre? Le pommier, père. Je veux passer de nouveau l'épreuve. On a la main sur le gameplay. L'épreuve de... Mais tu n'as plus 10 ans, tu sais. Oh, je vous en prie, père. Je me suis entraîné dur pour ça. Bon, très bien. Allons-y. Bon, c'est bon, j'aime le jeu. On peut caresser un toutou, comme dans Red Dead. Putain, c'est plutôt joli, hein. C'est le subanime. Ah, ton fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. Un peu comme vous, en somme. Tu es dur. Vas-y, mon chien, tu vas trouver une proie. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, avançons. Putain, l'ambiance est vraiment là. Hein. Ils ont fait le taf, quoi. En plus, ça ressemble bien aux forêts du côté de chez nous. Le bandeau de ta mère est encore là. C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père, je sais. Si seulement elle pouvait venir avec nous. Chacun a ses obligations, Amicia. Tu sais, dans une famille... Hé, j'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de runes. Allez, vas-y. Et rapporte quelque chose, pour une fois. Bien. Je disais... Chacun a ses obligations. Je dois m'occuper de ses terres. Ta mère doit soigner ton frère. Et toi... moi, je ne vous vois plus. Et mère, encore moins. C'est marrant, il y a un personnage qui a des animations faciales et l'autre, pas trop. Alors, suis-moi, ma fille. Ah si, il y en a. Quoi? Ça dépend les moments, en fait. Ça fait bizarre. Tu as ta fronde, j'espère. Bien sûr. S'il y en a qui se demandent, c'est Asobo Studio, je crois, qui a fait ça. Donc c'est ceux qui sont de Bordeaux. Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve? Amicia de Rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve? Les pommes sacrées de l'arbre... sacrées ont été corrompues par un grand mal.
Je compte jusqu'à 10. Si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Il a l'air sympa le père quand même. Ça a l'air bien cool. Prête. Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien. Reviens. Place-toi derrière ce trou. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Alors, maintenez L2 avec votre fronde. C'est parti. Et on vise. Ok. Ah oui, il faut. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Merde, allez. Il me met le stress. 6, 7, 8, 9 et 10. Elle est perdue. Mais ta fronde fait un bruit infernal. C'est vous qui me l'avez offerte, vous vous souvenez? Ah oui, j'avais oublié. Salut Dead Sonic. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il a repéré quelque chose. Il a dupliqué un lapin. Venez, vite. Par devant, je te rejoins. Ah, on peut sprinter, je me disais, parce que les déplacements étaient un peu lents. Lion! Mais où il est? Ah, tu es là. Qu'est-ce que tu as senti? Oh là là, un sanglier! Bravo mon chien. Anicia, il a trouvé quelque chose? Chut! Venez voir, un sanglier! C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher. Alors je crois pas qu'il y ait de la fantaisie pistache dedans. J'ai plus l'impression que c'est médiéval. Te cacheront si tu restes baissé. Enfin on verra. Hein. Alors progressez accroupillé, appuyez sur carré pour être silencieux et cachez-vous dans les hautes herbes. Ah merde! Trouve un angle de tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. Ah oui, d'accord. Moi je pensais qu'en visant. Mais en visant, elle se redresse, du coup je me suis fait griller. C'est sa tête que tu dois viser. Je fais de mon mieux. Je veux ce festin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Te voilà. Du coup, on va se mettre là. Reste baissé. Chasser à la fronde, hein. Allez, je dois y arriver. Discrétion sur 20. Bien, en plein dans sa mouille. La fin te rend toujours aussi précise. Il doit y en avoir dans les parages. On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non, allez, lion, ne le lâche pas. Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois. Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, lion. Ok, on est reparti. J'arrive, lion. Retiens-le et tu auras un beau morceau rien que pour toi. Ah, on a plusieurs passages. Il perd du sang. Il n'aboie plus. Il a dû le trouver. Oh, des choses toutes neuves. Je vais en entendre parler. Je crois que là, on est un peu dans la merde.
ici. Léon ! Reviens ! Mais... Oh, ça pue du cul. C'est le sanglier ? Pourquoi il est... Léon n'a pas pu faire ça. Léon ! Viens, mon chien ! Léon ! Léon ! Je suis là ! J'arrive ! Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... En train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia. C'était un bon chien. T'en es où des rivets pour renforcer la porte ? Ah ouais, quand même. Alors, je pensais pas qu'il y avait un aspect peut-être fantastique, mais finalement, peut-être. Parce que c'était un peu chelou, quand même, hein, la manière le chien où il se fait attraper et tout. Je suis pas sûr que des rats puissent faire ça, je sais pas. Ça me paraît, on aurait dit qu'il s'est... Déjà, le sanglier, on aurait dit qu'il s'était fait broyer. En tout cas, l'ambiance, c'est là. Il y a un peu d'aliasing et tout. Alors, on me demandait sur quoi je jouais, je suis sur PS4. Ça aliase un peu, mais c'est pas trop méchant. Les animes faciales, des fois, sont un peu bizarres. Mais le... Par contre, le... Graphiquement, in-game et tout, c'est assez joli, hein. Et l'ambiance est vraiment là, hein, en termes de son, de musique. Bonjour, c'est... mademoiselle Amicia. Va falloir patienter pour les nouveaux rivets. En fait, des nouvelles du bourg ? Les gens sont nerveux. Il y en a qui ont été mordus dans la nuit. Un coup des Anglais, ça. Mais pourquoi les Anglais, ils mordraient des gens ? Bah, je sais pas, moi, pour nous saper le moral. Oh, mademoiselle Amicia. Avez-vous pu... Plus tard, Flore. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Oui, je leur dirai. Ouah, wow, cette paire de couilles. Désolé, hein. L'instinct parle. Au début, c'est pas ce que j'allais dire. J'allais dire, putain, ils ont quand même... Ça fait vachement réaliste, quoi. Mais bon, voilà. La purité parle. Ah ouais, quand même, ils ont fait une belle modélisation. Ça n'a rien à enlever à Red Dead. T'en s'y croirait, quoi. Sebastiani, préserve-nous du mal, accorde-nous la santé et garde les fléaux loin de notre foyer. La première impression d'entrée, on le sait. J'espère que mère n'est pas trop occupée. Ça va pas durer, ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de faim. On a de la chance d'être dans cette maison. T'es pas d'accord ? T'as bien raison. Putain, je suis impressionné par le nombre de détails. Hein. Mère est encore à l'étage ? Oui, elle y a passé la nuit. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur. Ah, visiblement, c'est des nobles. J'ai pas l'impression que ce soit un roi non plus, peut-être un duc ou un truc comme ça. Tu as entendu ce qui s'est passé au village ? Tu sais, les gens qui ont été mordus, il y a des enfants aussi, t'imagines ? À chaque fois, c'est arrivé la nuit. La famine, les Anglais à nos portes, et maintenant des vampires. Nous avons beaucoup péché pour être ainsi punis.
On peut vraiment aller partout, quoi. Bah, désolé, j'explore un peu, hein. Prenons notre temps. Ah, on peut récupérer des trucs, comme quoi la curiosité paye toujours dans les jeux. De la cannelle. J'avais presque oublié ce que ça sentait. Ils ont bien fait de la cacher. Père serait capable d'en mettre dans tous ses plats. L'odeur de tes plats me réchauffe le cœur. Oh, ce n'est pas grand-chose, mais je pense que vous allez aimer. J'en suis certaine, oui. Je me demande de quoi ils sont inspirés quand même pour faire les... Oui, bonjour mademoiselle. Bonjour. Pour faire le château, quoi. C'est impressionnant, tous les détails, quoi, pour... Ouais, le jeu est propre, hein, même sur PS4. Sachant que là, je suis même pas sur la PS4 Pro, du coup. J'y veillerai. Louise, tu viens de voir ma mère? Tout juste. Vous voulez la voir? C'est important. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir, si vous voulez. Ah, merci. Ça va, ils étaient peinards, quand même. C'est... le napperon que mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Je l'ai cherché partout. Merci, Louise. Oh, Lion. Faites-y attention. Qu'est-ce que je vais faire ici sans toi? Mère? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais... quelque chose a attaqué Lion dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai! Lion était là, par terre, et puis il a été... Chut! Tu vas rester ici avec ton frère. Hein? Pourquoi? Que se passe-t-il? Ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. Ah, merci Keke pour l'info, oui, parce que je me demandais, je sais qu'on manque pas de château en France justement, mais je me demandais de quel château principalement s'est inspiré. On me dit Carcassonne. J'ai déjà été en plus, c'est super chouette. C'est fermé. Toutes ces potions. Mère, est-ce que vous le guérirez un jour? Ah, on a une échelle là. On peut pas monter. Visiblement, le petit est malade. Ça fait combien de temps qu'il est ici? 4 ans? 5 ans? Où est-il? Hugo? C'est moi, ta sœur, Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez, avance. Il a parlé? Non, Seigneur Nicolas. Il a tué 2 de nos hommes. Où est-il? Pour la dernière fois, où est votre fils? En de bonnes mains.
Fouillez l'intérieur. C'est maman ? Ouais, dur. Echo, viens ici. Qu'est-ce qui se passe ? Chut. Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Ouais. Où est-ce qu'ils l'ont planqué ? Maintenant. Vite. Où est maman ? Chut. Oui, je vais planter. Reste baissé. Echo, c'est moi, Gabriel. Viens vite. Hé, toi ! Viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où le gamin, hein ? Laissez-les en paix. Ferme-la. Vous il appartient à l'Inquisition. Mais ce n'est qu'un enfant. Entrons. Léa. Voilà pour toi. Putain, par où on passe, là ? Ça t'apprendra. Non, je vous en supplie. Hugo n'est pas là. Et toi, reste ici. Ok. Il va. Alors dis-moi, où est Hugo de Rune ? Du coup, ils viennent le chercher certainement parce qu'il est malade. Ils viennent pas à nous, en fait. Maman, il faut trouver maman. Elle saura quoi faire. Oh mon Dieu, Louise. Et hey, toi, ça t'amuse de me faire courir, hein? Vous. Allez, on trace. Ça sert à rien. Tu peux pas courir hein, quand on a la champion. Oh putain. Les écrits de ta maîtresse. Parle, m'oblige pas à te faire entendre. Je sais rien, je m'occupe juste du linge, moi. Écoute, c'est ta dernière chance. Dis-nous un peu ce que tu sais des travaux de ta maîtresse. Même si je le savais, je dirais rien. Ah, ils doivent prendre la mère pour une sorcière, du coup, vu qu'elle essaye de soigner le fils avec des potions. Putain, là, les musiques sont excellentes aussi, hein. Où vous allez comme ça? Mes enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Vous me suivez. D'accord ? Il faut. Ouais, comme tu dis, grosse ambiance. Salut Washi, salut Shinji. Allons-y. Oui, oui. Alors, ils ont dit si on laissait notre frère, il se cachera des ennemis alentour. Faites-moi confiance. On va passer par l'herbe. Ils ne nous verront pas. Attendez. Maman. Chut. Elle est badass, la mère, hein, quand même. Même le père était stylé, mais... Hey, on est un autre. C'est qui ? Le jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Fleurs ? Oh ! Va falloir. On a réussi. Emmenez-le. Cassez-vous. Tirez-lui tout ce qu'il sait. Travailler ici. Ils sont comme ma famille. Je dirai rien. Allez, on t'en voit qui sont loyaux et l'autre, ouais. Moins. Hein. Après toi. Je te laisse réfléchir. Je reviens. Et toi ? Crève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes. Des lâches. Des pourritures. Oh. Il faut passer. Alicia, aide ton frère. Je vais te porter. D'accord. Attention, descendant. Hein oui. Robert de Rune a une dent c'est contre l'Inquisition. Il y en a un et deux ou trois gueux qui les retardent comme ça. Attention, il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas,
Ta fronde fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. Ah ouais, d'accord. Ce bruit, viens, ça venait de là-bas, je crois. Ah, c'est pas mal ça, cette contrainte du fait que la fronde fait du bruit, je peux être opéré. Mais je peux jeter les caillasses comme ça. Ah, ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Faut que je me calme. Alors, le garçon, il se calme. Du coup, on peut tirer là-bas, je pense. J'ai pas le bras armé du grand inquisiteur pour rien. On n'a jamais eu mes... Allons-y. J'y vais. Reste prudent. On ne sait jamais. On peut pas y aller. Mère, peut-être que si tu lançais un de ces pots... Vous croyez? Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos. D'accord? Rien à signaler. Bonne nouvelle. Le bruit de votre fronde, ok. Allez, je vous connais, vous, les pauvres. Toujours un sou caché quelque part. Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'est. Merde. Oula, bougez plus. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est direct, quoi. Bon, c'est le fail. Ok, faut pas se précipiter. Il fallait bien qu'il y ait un fail, hein. Une VOD sans fail, c'est pas une bonne VOD. J'ai eu un peu de mal à comprendre le... sur le coup la gestion de l'inventaire, mais c'est assez simple en fait, c'est une roue. Vous croyez? Oui, le bruit l'attirera. Donc en fait, tu laisses ça foncer R1, tu sélectionnes. Voilà. Et là. Allez, je vous connais. C'était quoi ce bruit? Allez, casse-toi. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite, d'accord? D'accord. Reste ici. Allez, mon grand. D'accord. Il est mignon, le petit. Patate de forain au Calem. Ouais, c'est vrai que grosse patate dans notre tête. Hein. Il y a des gens. Prends ma main. Viens. Tu peux venir? Oui. Pitié! Pitié! On attend. Demandez grâce, ne fais pas courir plus vite, mon ami. Allez, venez. Putain, les traces, la merde. Suivez-moi. Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... Ah, ma tête... Maman... Qu'est-ce qui arrive? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment il faut faire. Mes yeux... Ma tête... Écoute-moi, respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles, dedans, dehors. Comme ça, doucement. Mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller. Ah, Maxou. Je crois, oui. Alors... On continue. Courage, mon grand. Suis-moi, sans faire de bruit. J'arrive. Voilà. Alors, je crois qu'il faut laisser X enfoncer pour l'aider. Je sais pas si c'est automatique ou pas, en fait. J'espère qu'il va pas venir là. Alors attends, on prend le pot. J'ai pas le droit à l'erreur. Mère et Hugo, toi, va prendre le temps de passer. Ah merde, il s'en bat les steaks. Bon, c'était rien.
c'est quoi ? Je dois les prévenir maintenant. Ok. Venez, on arrive. Allez, allez, vite. La mère va se faire choper, je pense. Attendez mon signal, d'accord ? Bravo. Par ici. Rien du tout. La porte du jardin. On va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. L'épouvantail. Je m'entraînais au tir dessus. Mais il se rapprochera de nous. Oui, mais on attendra qu'il reparte. D'accord. Je m'en occupe. Ok. Ah, du coup, je dois reprendre les cailloux, très bien. C'était quoi ce bruit ? Les gardes sont toujours cons dans les jeux, quand même. Hein ? Un seau. Intelligence sur 20. Va-t'en, va-t'en, allez. Suivez-moi. Mon chéri, va vite te cacher. Madame, ils arrivent. Tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur ? Oui. Il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais... Et vous alors ? Vous devez venir avec nous. Tu n'as pas besoin de moi, Amicia. Tu n'es pas... J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Merde, ah, moi tout droit, j'ai foncé tout droit. Hein. Ah, ils disent tout droit, tout droit. Qu'est-ce qui se passe ? Où est maman ? Elle va nous rattraper. Cours, cours le plus vite possible. Attention, mon Dieu ! Ils courent. Le seul bouge, Amicia. Ne t'arrête pas. Ils sont juste derrière nous. Ah ouais, c'est qu'il y avait un autre chemin là, en fait. Par contre, je sais pas par quoi ils se font attaquer, mais... Ouais, c'est chaud. Jette à l'eau. Et ben c'est là-dessus que je terminerai ma VOD pour YouTube. J'espère que vous aurez apprécié cette découverte et que, ma foi, elle vous aura mis l'eau à la bouche et que vous allez peut-être tenter l'aventure de votre côté ou nous suivre en live sur Twitch. En tout cas, je suis vraiment sous le charme, personnellement, et c'est avec grand plaisir que je vais continuer ça avec la team Twitch. J'accroche beaucoup. Franchement, ils ont fait un beau taf, là, en termes d'ambiance et tout. Bon, on sent qu'il y a des petites limitations techniques, mais ça fonctionne bien et je suis assez aussi sous le charme de l'ambiance sonore. Bref, je vous dis à la prochaine, YouTube. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Prenez soin de vous et peut-être à bientôt sur Twitch. Tchuss!